cyanure. Terminus RER D MAR Ray Plateau. Jeunesse en détresse. K.O.K. Aujourd'hui les marmots kiffent la feature express. N'ont plus peur de la prison, ça que c'est pas Midnight Express. C'est plus le même liquide qu'ils ont dans le biberon. Si tu les cherches avec de l'essence, que ton corps est un biberon. Adolescence déchue depuis qu'ils ont jeté leur carte à. Mange plus le pain de Dieu, préfère le caviar du diable. Impuissant car la justice peut frapper fort. A tort ou à raison, la sentence peut être hardcore. Hardcore comme Rocco si Freddy. À la vue d'un bossu, les yeux des petits frères petits. Pour un meuge, des petits camés retrouvent l'appétit. Prêt pour Facebook pour que tu leur fasses à crédit. De rien de séance crédit, ça fait sans faire l'amour. Avec autant de vulgarité, comment veux-tu être d'amour? Jeunesse perdue, habituée à vivre dans la chienneté. Le crime ne paie pas, mais tu auras avant ta prime d'ancienne. Jeunesse en détresse, je lance un SOS. Y'a pas de taf pour tout le monde, alors ça trafique le shit à cesse. Tous un point en commun, faire des lovés. À peine sorti du berceau, que les darons sont déjà éprouvés. Bienvenue au royaume des louveteaux, où ça n'aime pas trop les regards de travers et ceux qui l'ouvrent trop. Là où les bavures sont courantes comme un outro. Même si j'avoue parfois les jeunes aussi en font un peu trop. Génération internet, petit H24 devant l'écran. Monde virtuel où même les schlags veulent jouer les grands. Hey, ghetto chroniqueur, j'suis là pour faire le rappel. La télé nous hypnotise, fait bouffer sa merde à l'appel. Au vrai contact réel, les amis se font sur Facebook. Nouvelle génération qui ne jure que par son look. Les jeunes se mettent en rap sans même connaître son origine. Ce qui fait que la quantité a mis la qualité au régime. Incorrigible, même quand les parents deviennent rigides. De plus en plus tôt, on voit des gosses béton pour homicide. Une vie de poissard, rien à voir avec American Pie. Les prisons se remplissent et mettent ton avenir en stand-by. À ceux qui s'en sortent, malgré les obstacles rencontrés sur le chemin, mais qui ont su enfoncer les portes. Une mesure de silence pour ce parti trop tôt. À cause d'une maladie, d'un gun, d'une voiture ou d'une moto. Jeunesse en détresse, je lance un SOS. Y'a pas de taf pour tout le monde, alors ça trafique le shit là. Tous un point en commun, faire des lovés. À peine sorti du berceau, que les darons sont déjà éprouvés. Bienvenue au royaume des louveteaux, où ça n'aime pas trop les regards de travers et ceux qui l'ouvrent trop. Là où les bavures sont courantes comme un outro. Même si j'avoue parfois les jeunes aussi en font un peu trop. Mais bon, ici y'a pas que des mauvais garçons. Hommage à la jeunesse qui se lève à l'heure des maçons. Celle qui poursuit ses études, servant de modèle aux bambins. Ces pauvres filles obligées de faire les putes pour acheter leurs bouquins. Génération Tanguy, parce qu'elle a pas de quoi payer son loyer. Mais c'est toujours mieux qu'une sale piole dans un foyer. À mes carailles qui pour construire vos maisons se broient le dos. Mes potes qui prennent l'hostie et ceux qui font l'odo. Le péché a du goût, comme dirait mon pote Motivo. Même les honnêtes gens se mettent à voler pour remplir leur frigo. On n'a pas plus la chance de Pipo et Inzaghi. Votre dans son ghetto pour habiter, les jeunes sont aux aguets. Qu'importe la saison, les jeunes sont au taquet. Qu'importe les raisons, prêts à mettre le paquet, quitte à finir au piqué. Le monde va mal et y'a trois paniqués. La paix est illusoire, même pour les fumeurs de calumet. Jeunesse en détresse, je lance un SOS. Y'a pas de taf pour tout le monde, alors ça trafique le shit là. Tous un point en commun, faire des lovés. À peine sorti du berceau, que les darons sont déjà éprouvés. Bienvenue au royaume des louveteaux, où ça n'aime pas trop les regards de travers et ceux qui l'ouvrent trop. Là où les bavures sont courantes comme un outro. Même si j'avoue parfois les jeunes aussi en font un peu trop. OP DJ Cyanure. Je devais laisser. C'est pas de l'argent honnête, je refuse qu'il traîne à la maison, tu m'entends? Mais il est à moi, je ne veux pas que tu t'approches de ce type. Tony a raison, l'ouvrier est un con, ouais, il a tort, c'est facile d'appuyer sur la détente, mais se lever tous les matins et aller travailler pour essayer de survivre, ça c'est difficile. Alors qui c'est le vrai Dieu dans l'histoire? Eh ben, fais que le dire, c'est l'ouvrier, oui, c'est ton père, le vrai Dieu.